Bienvenue à Hong Kong, mégapole de 6 millions d'habitants, ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997. Hong Kong, c'est le royaume du business, certainement la ville la plus libérale du monde, à cheval entre la tradition séculaire chinoise et le capitalisme le plus débridé. Ici, tout est possible. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre devant le siège de la plus grande banque d'Asie, un temple de la finance. Les lions à l'entrée apportent bonheur et prospérité dans les affaires à ceux qui les touchent. Et c'est dans ce contexte que les Bordelais tentent de nouer, tisser, renforcer les liens entre la capitale girondine et Hong Kong, notamment par la signature d'un accord de collaboration renouvelé cette année entre le gouvernement hongkongais et la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Cet accord concerne notamment la fête du vin qui s'est exporté de là-bas en 2009, ou même encore des échanges de chefs cuisiniers entre les écoles hôtelières du pôle des métiers de bouche bordelais et le Chinese Trade Council hongkongais. C'est parce que tout est possible et que les riches hongkongais et leur société ne manquent pas de moyens que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux organise un séminaire destiné à trouver des investisseurs pour les châteaux bordelais. Un séminaire organisé dans l'ancien club britannique de la presse étrangère, un club très sélect qui trouve ses racines dans l'histoire coloniale de Hong Kong. Devant une vingtaine de représentants de sociétés hongkongaises, les bordelais comme Thierry Rutzmann tentent de convaincre leur interlocuteur avec des propriétés dont les prix oscillent entre 2 et 8 millions d'euros. So as explained Jean-Marie, when you want to make an investment at Bordeaux, you have to, first of all, you have to know why. L'audience est quasiment acquise. Le cliché est facile, mais pourtant ces Chinois bombardent de photos les tableaux de prix qui leur sont présentés. Anthony Petit, par exemple, représente un très gros promoteur immobilier de Hong Kong. Son patron veut investir 150 millions d'euros dans une propriété bordelaise, même si pour lui, faire du vin n'est pas une priorité. On cherche à investir dans un vignoble bordelais, tout simplement pour essayer d'avoir une vitrine pour notre société. Oui, c'est très important parce que l'image de la France, c'est l'image du luxe, l'image du savoir-faire à la France. Française, l'image du raffinement. Durant tout le mois de mai, à l'occasion du French May, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, dans le cadre de son opération Dream Up, met en avant les produits de l'Aquitaine sur le menu de 18 restaurants, dont celui-ci situé dans un FC Mall, une opération pilotée notamment par Jacques Boissier, un importateur, et Christophe Vrignot, gérant de ce lieu. On parlait tout à l'heure de la région Aquitaine, mais je pense qu'il serait bien de goûter un petit peu aux produits. Il faut goûter, il faut, absolument. Le travail de fond de ces deux Français consiste à expliquer et à faire déguster aux Chinois ces produits du Sud-Ouest arrivés récemment dans leurs assiettes. Qui a été introduit peut-être en premier en tant que jambon cru à Hong Kong. C'est les Italiens qui ont commencé, donc jambon de Parme. Et de ce fait, tout le monde appelle le jambon cru du jambon de Parme. Il faut absolument expliquer ce que c'est afin de pouvoir apprécier au mieux. Quoi. Si on leur donne juste une tranche de jambon sans rien dire, ils vont dire « Oh, il est pas mal votre jambon de Parme ». Et là, ça fait mal au cœur, c'est du jambon de Parme. Mais non, c'est du jambon basque. Il faut en moyenne près de 5 ans de promotion avant qu'un produit français entre dans les habitudes de consommation des Hongkongais. Les Chinois continentaux, quant à eux, ont d'autres jugements de valeur. S'il est servi dans un endroit prestigieux et que le jambon est cher, ils vont s'y intéresser et ils vont demander l'histoire après. Mais ils ne vont pas connaître tout de suite la différence de goût. Le jambon, pour un Chinois, c'est encore le jambon du Yunnan, donc un produit très fort, très musclé, très, très, très animalier. Ça, c'est un jambon qui, pour eux, est très, très léger. Donc il faut leur expliquer pourquoi il est léger. Bordeaux. Tout ce travail de promotion et d'explication s'applique lui aussi à la lettre pour le vin. C'est au bord de la baie de Hong Kong que se situe le centre de convention et des expositions de Hong Kong. Un lieu déjà investi par le Salon mondial des vins Vinexpo pour sa première édition en Asie en 1998. À l'époque, seulement 200 exposants et 3000 visiteurs étaient présents. 12 ans après, ces chiffres ont été multipliés par 4. Une preuve de l'engouement des Chinois pour les vins aujourd'hui, et particulièrement ceux de Bordeaux. Les visiteurs sont professionnels ou en passe de le devenir. Ils sont issus de 18 pays, de l'Asie et du Pacifique. La soif d'apprendre d'abord, avec ses leçons de dégustation de vin de Bordeaux dispensées par un sommelier chinois, audience attentive, studieuse et disciplinée, mais soif de découvrir aussi, témoin cette dégustation du millésime 2007 des Grands Crus de Bordeaux, une queue d'attente de plusieurs centaines de mètres pour y entrer. À l'intérieur de la salle, les organisateurs submergés par la foule ont même dû repousser les tables pour élargir les allées.
Un engouement pas seulement palpable sur les visages, mais aussi dans la réalité économique du marché. La consommation de vin en Asie croît chaque année 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, 10 fois en Chine. Ce pays est même passé devant les États-Unis et le Japon pour les importations de vin de Bordeaux. Entre 2008 et 2009, elles ont doublé en volume et augmenté de 40% en valeur. Mais Robert Bénat, directeur général de Vinexpo, ce marché est florissant, mais attention, certaines sociétés chinoises peuvent naître aussi vite qu'elles disparaissent. Chaque jour, un homme d'affaires chinois dont ce n'est pas le métier se déclare importateur de vin. La société Diva, par exemple, commercialise ses bouteilles en Chine grâce à un distributeur de voitures européennes. Pour les vignerons bordelais, il y a donc un risque à parier sur le mauvais cheval. Et c'est là toute la difficulté du système. Il faut que les exposants, il faut que les vendeurs, nos négociants bordelais, pour prendre eux comme exemple, et tous leurs collègues du monde, soient très attentifs à l'évolution de la distribution, à la qualité de leurs interlocuteurs, et là où ils mettent leurs billes. Probablement, il faut qu'ils continuent d'investir pour bien être proches du marché et donc proches de leurs distributeurs. La distribution en Chine est en train de se construire. Et donc beaucoup vont disparaître. Le marché est assez grand pour qu'il y ait beaucoup d'opérateurs aussi. La Chine consomme 1 milliard de bouteilles de vin par an, dont 90% sont produites sur place. Le marché d'importation se partage donc entre les 10% restants, soit 100 millions de bouteilles tout de même. Autant dire que les vins de Bordeaux peuvent espérer y trouver toute leur place. La mission économique, quant à elle, tente de séduire les opérateurs touristiques hongkongais sur la destination Bordeaux. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie, cette mission est un succès. Il ne pensait pas d'ailleurs que les atouts bordelais trouveraient autant d'écho à Hong Kong. On avait des atouts considérables qu'on avait peut-être sous-estimés ou en tous les cas méconnus. C'est-à-dire on a cette capacité à travers le vin, ce que l'on représente en matière de culture, en matière de civilisation, à les attirer et à développer du business, des affaires ensemble. Et je crois qu'on ne peut pas s'engager dans des actions si on ne s'inscrit pas dans la durée. Il faut aller plus loin, il faut poursuivre l'effort, consolider ce qui a déjà été fait pour aller plus loin. Privilégier les relations entre Hong Kong et Bordeaux, distante de 10 000 km, assurera les échanges économiques. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle, là où l'Europe, en cette période de crise, affiche un taux de croissance économique atteignant péniblement les 1%. La Chine, elle, flirte avec les 10%. Hong Kong, c'est donc la porte d'entrée de ce marché, le plus gros au monde, avec ses 1,4 milliard de consommateurs potentiels.